Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc nous voici de retour après un long week-end où il n'y a pas eu de partie hier dimanche. Je parle pas très fort parce qu'il est 2 h du matin. Donc aujourd'hui je vais vous commenter la partie numéro 3. Et ça m'a pris énormément de temps parce qu'il y a des subtilités de fou. Donc je vais essayer comme d'habitude de faire assez court. Donc c'est assez difficile pour moi, hein, parce que ce soit dans mes écrits ou en vidéo, à chaque fois je m'étale, je m'étale, je m'étale. Pour l'instant, j'ai réussi du 26 minutes, je vais essayer de faire moins. Voilà, donc Caruana, elle est blanc. Et donc, on va voir ce qui va se passer. Alors, il recommence par E4 et Carlsen retente la Sicilienne comme à la première ronde. Donc, il n'essaye pas de changer à toutes les parties. C'est intéressant de voir ses stratégies de match dans les premières rondes. Cavalier F3, cavalier C6, toujours cavalier C6, donc là aussi pas de nage d'or, rien d'autre. Fou B5, toujours une Rossolimo. Et là G6, la même chose qu'à la première. Donc bon, c'est parti pour un débat théorique, ce qui est souvent le cas dans des matchs de championnat du monde. Donc on va voir ce qui s'est passé. Il était mal Caruana la première partie, on va voir s'il a amélioré. Donc il prend, il joue toujours la même variante, D3, fou G7. Et la première surprise, petit roque. Alors qu'à la première partie, il avait joué H3 dans cette position. Donc, bon, qu'est-ce que ça peut être la différence d'un petit roque? Parce qu'H3, ça servait quand même à jouer du cavalier H2 après. Bon. Et ben, en fait, il a d'autres idées. Il y a que, pour moi, il y a que deux plans importants dans cette position pour les blancs. C'est soit les plans avec H3, cavalier H2 et F4, comme il y a, surtout contre les structures avec le 5, ça c'était la première partie. Et les plans à base de A3, B4, en fait, pour essayer d'obtenir une structure supérieure quand il va prendre et prendre. Mais évidemment qu'il faut d'abord boucher la diagonale. Alors soit les noirs joueront E5 et ça sera disponible. Soit les blancs, ben ils vont jouer cavalier C3. Ben à un moment, les blancs vont forcer E5, et à ce moment-là, il y aura A3 B4. En gros. Voilà. Donc aujourd'hui, visiblement, s'il fait sans H3, c'est qu'il veut s'orienter vers du A3 B4 quelque part, après avoir forcé E5. Carlsen, il envoie dame C7. Et ça, c'est pareil, c'est une petite ligne. Donc il avait probablement prévu que Caruana jouerait sans H3. À un moment ou à un autre, hein, parce qu'il y a beaucoup de positions similaires où l'ordre de coup est différent dans ces Rossolimo. Donc, Carlsen, il connaît surtout les idées, je pense. Donc, il a joué Dame C7 très vite, ce qui indique qu'il était préparé. Alors, c'est évidemment pas le coup logique, c'est pas le coup principal, hein. Le coup principal ici, c'est cavalier F6. Alors, pour moi, E5 qui a l'air aussi assez logique, avec peut-être cavalier en E7, etc. Bah en fait, j'aime pas trop parce qu'on ferme trop tôt. Du coup, on n'a même pas provoqué cavalier C3, et évidemment, les blancs ils vont en profiter, ils vont plus le développer en C3 ce cavalier. Donc ici, moi je pense qu'on doit jouer A3, on doit pas mettre le fou en E3 trop tôt. Vous allez voir pourquoi quand on va regarder cavalier F6. Donc après A3, bon, A5 ou cavalier F6, peu importe. Non, cavalier F6, il y a même des problèmes en E5. Donc, sur A5, ici, maintenant, peut-être qu'on joue fou E3, B6, cavalier BD2, cavalier E7, cavalier C4, on attaque E5, dame C7, B4. Voilà. Et donc, et le pion B6 est en l'air. C'est pour ça que le cavalier en E7 est mal placé contre ce A3, B4. C'est plutôt en D7 qu'il doit être, parce que comme ça, on peut au moins prendre en B4 et on aura cavalier qui défend B6. Donc voilà, donc E5 pour moi c'est trop tôt. A3, A5, fou E3, B6, cavalier D2, on se fait agresser. On n'a jamais le temps de jouer des F5 ici. On va prendre ça, prise, et maintenant cavalier C4. Et sur des coups comme F4, il va commencer à sacrifier des pièces, dame H5 échec. Donc ça va mal se passer. Donc E5 pour moi trop tôt. Le gros coup théorique ici c'est cavalier F6. Et c'est à mon avis ce que voulait faire. Ce qu'avait préparé Caruana. Voilà, donc là le truc, c'est que Caruana, il doit trouver. On a envie de jouer H3, mais Caruana, il doit trouver des positions où H3, où c'est utile pour les blancs de ne pas avoir joué H3. Et ça, c'est pas si facile. Donc le problème, c'est qu'après H3 maintenant, et ben ça va être cavalier D7 et c'est la première partie. Ça, et visiblement, il veut pas répéter. Donc ici, il faut jouer autre chose.
J'ai regardé beaucoup cette position tout à l'heure et il y a peut-être un ou deux plans qui sortent du lot. Je sais pas trop ce qu'ils voulaient faire avec leur équipe. Et désolé, moi j'ai 2 heures, je suis arrivé tout à l'heure, vers 23 h et tout, j'ai commencé à travailler cette position. Eux, ça fait 3 semaines et ils sont 15 par équipe avec les super ordi, donc peut-être qu'ils ont des idées. Donc voilà, moi en plus je regarde pas trop les commentaires des uns et des autres avant de vous faire le débrief. Donc voilà, moi je vous mets ce que j'ai regardé moi-même. Donc après cavalier F6, pour moi il y a deux idées qui sortent du lot pour les blancs. Il peut y avoir un tour E1 ou il peut y avoir cavalier C3. Alors sur cavalier C3, je pense que les noirs doivent jouer cavalier D7 maintenant. Si on joue petit roque, et eh ben il y a H3 et maintenant, il est content, Caruana, par rapport à la première partie, parce qu'il y a tout, il y a plus ses idées avec H6, Grand Roque, comme il avait fait Carlsen. Donc c'est un peu comme la première partie, et maintenant il va re-switcher, ça veut dire il va repasser au plan avec cavalier H2, F4, et il l'a rusé en fait. Et d'ailleurs, il a eu une partie comme ça contre Boris Gelfand en 2018, Caruana. Regardez, fou E3, B6, E5, il lui a fait à Gelfand. Il a gagné la partie d'ailleurs. Donc après cavalier C3, pour moi, il faut pas jouer roque, il faut jouer cavalier D7. Donc sur H3, bon, on a la transposition dans la première partie. Et là, je pense que après fou E3, E5, dame D2, on veut toujours jouer fou H6, H6, et ben maintenant il faut switcher sur A3. Alors ici, on peut se dire, ouais, mais F5, on va perdre une pièce et tout. F5, c'est très dangereux. À chaque fois, on prend tour à E1. Et le roi, il est derrière. Et malheureusement, on ne peut pas roquer. Il y a fou prend H6. Et sur un coup comme roi F7, G3. Maintenant, c'est très utile de ne pas avoir joué H3. Et je pense que cette position, elle est nettement mieux pour les blancs. On ne peut pas jouer tour 8, par exemple, parce qu'il y a toujours H6 qui traîne. Non, cette position, elle est net avantage blanc. Il peut y avoir du cavalier H4 qui arrive, plein de trucs quoi. On revient à notre position. Donc après mon A3, j'ai tendance à un peu préférer les blancs. Sur A5, par exemple, cavalier A4 toujours. Là, les noirs ne sont pas prêts. Donc ils vont jouer dame E7 pour défendre. Voilà. Et là, je vais jouer dame C3. Je vais préparer B6 et là B4. Et il va se faire un petit peu agresser. Et sur A5, cavalier A4, B6. À mon avis, on peut jouer B4 aussi tout de suite. Voilà. Ces positions, elles sont pas top, je pense. Donc après, mais par contre, donc je vous remonte la ligne qu'on est en train de voir. Après cavalier F6, on est en train de voir cavalier C3, cavalier D7, fou E3, E5, dame D2, H6, A3. Là, je pense que le meilleur coup, c'est dame E7. Et là, c'est pas facile de trouver un avantage pour les blancs, mais bon, j'ai essayé un ou deux petits trucs. Je pense que B4 n'est pas suffisant. Prise, prise, dame prend, fou prend A7, B6. Tour FB1, dame D6, et les noirs s'en sortent. Mais je sais que ça fait un peu beaucoup de variantes, donc j'essaye de ne pas vous assommer de variantes. Je pense qu'après dame E7, peut-être un petit essai pour les blancs serait cavalier E2 ici pour faire B4. Là, il faut jouer A5. Alors, toujours la même chose. F5 ne marche jamais. Prise, prise, tour à E1. On ne peut pas faire F4 parce qu'il y a un alignement sur la colonne E. Et après cavalier F8, par exemple, fou F4. Cavalier G6, cavalier prend E5, prise, 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 cavalier G3 et F4, et ça gagne pour les blancs. Donc faut pas avoir peur de ces F5 ici. Il y a toujours du tour à E1 et il peut jamais roquer parce qu'il y aura fou prend H6. Donc voilà. Bon, après, je pense que Caruana et Carlsen, ils connaissent ce genre de détails. Et après A5, donc cavalier E2, A5, H3 maintenant, mon idée, elle est simple. Elle est que je veux provoquer un coup comme cavalier F8 où le cavalier il va loin de l'aile dame. Alors peut-être que c'est B6 le bon coup, hein, j'en sais rien. B6, il y a peut-être B4, prise, 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 tour A8, roque, fou prend H6, bon voilà. Donc après H3, c'est ce cavalier F8 que j'ai regardé en priorité. Et là, peut-être C3. Comme le cavalier est un peu loin. Sur B6, D4. Bon, mais sur cavalier E6, D4 aussi. Bon. Je vous garantis rien. Mais donc ma première idée. Sur cavalier F6, peut-être que l'équipe à Caruana, elle a travaillé un truc comme ça, comme cavalier C3, cavalier D7. Donc il propose H3, E5 comme dans la première partie. On refuse, on joue fou E3. J'essaye de justifier le fait que les blancs ne jouent pas ce coup H3 cette fois-ci. E5, dame D2, on menace fou H6, H6, A3.
Dame E7, meilleur coup. Cavalier E2, n'ayant pas peur de F5 comme je vous ai montré à cause de la prise et tour à E1. L'autre joue A5, H3. Mon idée c'est de provoquer un cavalier F8. Cavalier F8, C3 maintenant. On switch dans le plan avec C3 et on va jouer D4. On attend que le cavalier se soit un peu éloigné. Donc voilà, ça c'est ma première idée. Elle vaut ce qu'elle vaut, ça se trouve c'est pas bon, ça se trouve c'est bon, je sais pas. Et la deuxième idée que j'avais vue, après cavalier F6 pour les blancs, c'est peut-être un truc comme tour E1, comme dans la partie. Cavalier D7, et là E5. Mais j'en suis pas sûr non plus, parce que les noirs maintenant, ils doivent tout de suite faire cavalier F8. Vous voyez, ils profitent du fait qu'ils aient pas roqué, donc il n'y a pas de tour en F8 qui l'empêche de faire ça. Et maintenant, c'est pas si facile parce que bon, y a une position qui est archi normale, c'est H3, cavalier E6, cavalier C3, petit roque, cavalier E4. Et en fait, par un espèce de tour d'équilibriste, on est retombé dans une des très grandes variantes de la Rosso Limo avec G6. C'est une autre variante, quoi, donc. Mais peut-être que Caruana ici, il peut gagner un tempo. Il peut jouer sans H3. Il peut peut-être jouer A4 ici. En général, on joue A5, on empêche la prise d'espace. Et là, soit fou E3, B6 par exemple, cavalier C3, cavalier E6, cavalier E2. Alors ça paraît un peu bizarre, et l'idée c'est après petit roque, dame C1, donc pour jouer ensuite du fou H6, donc ça peut être intéressant. Et l'autre idée que j'ai eue, c'est que après tour E1, cavalier D7, E5, cavalier F8, donc j'aime bien ce A4, A5. Au lieu de jouer ce fou E3, cavalier C3, on peut aussi jouer cavalier D2, cavalier E6, cavalier E4. On joue la position principale sans H3. Et après, par exemple, B6, cavalier EG5, c'est ça l'idée. On échange le dernier cavalier. Et par exemple, sur H6, prise, prise, B3. Bon, je sais pas, j'ai mis G5, fou B2, mais ça peut être petit roque, fou B2. Voilà, ce genre de position statique, elle est un peu plus embêtante à jouer pour les noirs, probablement. On va jouer cavalier D2 ensuite. Donc une de ces idées, quoi. Donc vous voyez, après cavalier F6, soit ce cavalier C3, cavalier D7, fou E3, dame D2, H6, A3, dame E7, cavalier E2, A5, H3, cavalier F8, C3. Soit après cavalier F6, tour E1, E5, A4. Et là, soit fou E3, soit cavalier D2, cavalier E6, cavalier E4, cavalier EG5. Ou soit fou E3, B6, cavalier C3, cavalier E6, cavalier E2. Ça a l'air un peu bizarre, mais l'idée c'est dame C1, fou H6, quoi. J'empêche les cavaliers D4, donc je lui enlève son contre-jeu. Voilà, bon, ça vaut ce que ça vaut. Vous en faites ce que vous voulez. Je m'en fous, moi je joue pas cette ligne, donc bon. Par contre, ça m'a pris un peu de temps. Je dois vous dire la vérité. Donc il m'a joué dame C7. Il a joué dame C7, Carlsen. Donc il a surpris Caruana. Il a un peu sorti de la théorie. Bon, il empêche fou F4, il empêche E5 et surtout il permet E5. Je pense qu'il veut jouer E5 et mettre le cavalier en F6. Voilà, c'est son idée. Donc, Caruana ici, il a joué tour E1. Alors, l'autre coup, c'était évidemment cavalier C3. Hein. Après quoi, je pense que Carlsen voulait faire cavalier F6. L'idée, c'est que maintenant, il va plus ou moins forcer H3 à un moment donné. Bon, E5 avec cavalier G4. Hein. Et sur H3, probablement il veut faire E5, cavalier H2, cavalier H5. Il n'y a pas d'F4. Vous voyez. Donc après cavalier F6, il faut jouer fou E3, B6. Je pense que là il veut jouer A3 aussi. Petit roque. Donc vous voyez, ça peut être sa stratégie à Carlsen d'attendre au maximum avant de jouer E5, ce qui fait que ça le gêne avec les blancs pour jouer B4. Vous voyez, par exemple, si maintenant un coup comme B4, il y a cavalier G4. Donc là, il va jouer H3 et maintenant il va commencer à menacer du E5. Et là, un jour ou l'autre, va falloir le jouer, ce E5. Et dès qu'on joue E5, il a le champ libre, on a fermé la diagonale et les blancs ont le champ libre pour envoyer du B4. Mais je pense qu'après B4, on veut jouer cavalier D7, dame D2, tour D8, quelque chose comme ça. Et avec l'idée fou H6, par exemple, cavalier F8 ici. Dans cette position, prise, prise. Par exemple, prise ici, prise ici. Et cavalier E6 au prochain coup. Donc, je pense que rien n'est très clair. Peut-être qu'il voulait jouer un truc comme ça, Carlsen. Donc je répète, cavalier C3, cavalier F6, fou E3, B6. On laisse cavalier G4. Du coup, à un moment, on forcera H3. A3, petit roque.
H3, voilà. Maintenant, je pense pas qu'on puisse jouer sans E5. Parce qu'en plus, il y a cavalier H2 qui peut arriver. Donc pour moi, on joue E5, à B4, cavalier D7. Voilà, ce genre de position. Je suis pas super convaincu, mais bon. Toujours est-il que notre ami Caruana a joué assez vite tour 1. Alors l'idée c'est probablement d'avoir du E5 un jour ou l'autre si les noirs font pas attention. Carlsen, il l'autorise pas, il joue E5 tout de suite. Donc vous voyez, on a des petits ordres de coups de surprise contre surprise. C'est ça qui est très compliqué. On est au septième coup, vous voyez, je vous ai déjà pris la tête. Et même moi, je me suis repris la tête là en vous expliquant le truc. Bon, c'est ça. Le truc, c'est qu'il faut être assez pratique pendant la partie, jouer vite et tout. Donc, c'est pas facile. C'est plein de petites subtilités. Est-ce que la tour, elle est bien en E1 ou est-ce qu'il vaut mieux jouer H3? Est-ce que A3, je le joue quand? Etc. Bon, ce qui était sûr en tout cas, c'est qu'à un moment, ce serait A3, B4. Voilà. D'ailleurs, c'est sûr et il l'a fait maintenant. Vous voyez? Alors. Fou E3, c'était l'autre ordre de coup, mais il a très bien analysé cette position, Caruana, et il va éviter de mettre le fou en E3. Parce que sur le fou en E3, on a un thème. D'ailleurs, il en avait perdu une contre Carlsen en 2015, dans ce genre de thème, où on va donner un pion avec les noirs. Par exemple, après B6, A3, bon, A5, c'est toujours intéressant ici, mais cavalier F6, c'est l'idée. H3, à un moment donné. A5, ok, bon, cavalier BD2. Et là, l'idée, c'est. Ouais, bon, j'ai mis que c'était cavalier D7. Bon, on empêche B4 physiquement. Et puis, l'idée, ça va être petit roque et F5. Vous voyez, le fou en E3, il est peut-être pas top. Par exemple, après prise, là, on perd. Parce que dame A4, comme le cavalier est en D7, il n'est plus en E7, comme on avait vu au début de l'analyse. Il y a C5. Et on n'est pas cloué, justement. Vous voyez? Donc bon, c'est des détails, mais donc fou E3 pour moi c'est très dangereux parce que après cavalier BD2 et compagnie, A3 B4, il y a beaucoup de lignes où les noirs vont réussir à donner le pion, ils vont mettre le cavalier là, par F6 et D7, petit roque, et ils vont donner le pion, ils vont jouer F5. Et le fou sera en danger. Voilà, donc Caruana, regarde, il joue A3, il laisse le fou en C1 à la maison. Et là, Carlsen, il a réfléchi, hein, il connaissait plus, il a joué cavalier F6, qui était son idée au début. Mais je pense pas qu'il ait vu tour 1. Et je pense qu'il a vu des plans avec fou E3 au lieu de tour 1. Enfin, il connaissait des idées, mais pas forcément sur tour 1 A3. Vous voyez, mais il connaissait des idées dans ses positions. Pour moi, après A3, il a fait une petite erreur. Il a joué cavalier F6. Peut-être qu'il valait mieux jouer A5 ici. Alors maintenant, l'idée, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sur fou E3, on retombe dans ce qu'on a vu. B6, cavalier BD2, cavalier F6. Vous voyez, c'est important que maintenant, sur des coups comme KC4, il est cavalier D7, qui protège à la fois là et là. Et comme ça, B4, c'est pas grave. On prend, tour prend 1, dame prend 1, c prend D4. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et sur des dames A4, toujours on a C5. On n'est plus cloué. Bon, là, il faut probablement jouer D4, et c'est le bordel. Bon, ok, je vais pas commencer à analyser ça, sinon je suis là à 6h du mat. Donc, après cavalier F6, en général, on doit jouer H3, parce que. N'oubliez pas qu'il y a du cavalier G4 qui arrive aussi. Si on joue pas KC4, on se prend KG4. Donc on joue H3 et là cavalier D7, comme d'habitude. Et le problème, c'est que comme je vous ai dit, le fou peut ne pas être très très bien. Après B4, par exemple, on prend, c'est la même ligne que tout à l'heure. Prise, dame A4, C5. Donc voilà. Donc pour moi, A5, c'était le bon coup. Je sais pas ce qu'il voulait faire notre ami Caruana. Bon, peut-être, voilà, peut-être qu'il voulait jouer comme dans la partie cavalier BD2 sans fou E3. Mais là, il y a une grosse différence. C'est qu'après cavalier F6, cavalier C4, je joue cavalier D7. Et si on joue fou E3, bah, on a ce qu'on vient de regarder. Petit roque, finalement, et il a joué fou E3. Qu'il le joue avant ou maintenant, c'est la même chose. Donc, après cavalier D7, qu'est-ce que tu fais, mon ami Caruana? Parce que là, je vois pas trop. B4, je m'en fiche, je prends, t'es cloué, donc fou D2. Fou D2, je vais commencer à envoyer petit roque, B4, c'est prend, apprend, parce que j'ai pas du A4 ici. Je vois pas de problème en fait. Cavalier BD2, cavalier F6, cavalier C4, cavalier D7, et là quoi? Je vais envoyer du B5. Non, pour moi, il faut jouer fou E3, fou E3, petit roque. Donc voilà, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont tricoté l'un et l'autre. Bravo, il y en a un qui joue tour 1, l'autre qui joue dame C7, on joue au plus malin, mais alors
position, elle a l'air. Je sais pas, j'ai l'impression qu'ils ont fait n'importe quoi l'un l'autre, en fait, à un moment donné. Bon. Ça joue tellement subtil qu'à un moment, des fois, c'est. Mais c'est comme ça, hein. Moi j'en ai vu plein des lignes comme ça. On joue tellement. Avec Raja, j'en ai vu plein. On joue tellement subtil qu'à un moment, ça devient n'importe quoi et que ça marche ni pour l'un ni pour l'autre. Là, c'est un peu l'impression qu'ils me donnent, quoi. À finasser avec leur tour 1 dame C7. Je suis sceptique, hein, je joue. Bon. Trop de finesse tue la finesse. Voilà, j'ai envie de vous dire. Allez, il joue cavalier F6, toujours est-il notre ami Magnus. Moi, je pense que c'est A5 qu'il fallait faire. Voilà. Alors, il y a des petites idées, le Magnus. Hein. C'est qu'après fou E3, par exemple, je pense qu'il voulait peut-être s'essayer du C4. Vous voyez, le cavalier, maintenant, il contrôle cette case. Donc, il y a plus de cavalier de D7. Caruana, il fait A3, c'est pour jouer B4. Hein. C'est un joueur qui est très consistant, donc il le fait. Et là, Magnus joue roque. Donc, comme je vous ai dit, Magnus, il est très à l'aise avec les idées dans cette position. Je pense qu'il avait dû les voir après, par exemple, H3. Donc, après petit roque, je vais vous montrer 2-3 de ses idées. Il donne le pion, mais en fait, il va faire cavalier D7. Et après fou E3, il joue F5, vous voyez? Et il avait gagné une partie comme ça, je vous dis, en 2015, contre le même Caruana. Il lui avait donné le pion, il lui avait fait un truc comme ça. L'idée, c'est qu'il va lui envoyer toute la masse de pions. Donc, après, par exemple, je sais pas moi, A4, F4, on va jouer A5, et petit à petit, on va essayer de commencer à lui pousser les pions au G5, etc. Comme dans une est indienne, en fait. Qu'est-ce qu'on peut jouer sur cavalier G5 où on attaque E6, on fait cavalier F6, puis on chasse, quoi, et H6, G5. Donc, voilà. Sur fou E3, ben, on fait le même C4. Dès que le fou vient en E3, ben, il bloque la coordination du coup C4. Donc, et sur H3, je pense qu'il voulait quand même lui faire C4 Caruana. Et là, c'est assez malin parce qu'après prise A5, en fait, il entraîne le fou en B2. On se dit, ben, c'est n'importe quoi, il a donné un pion. Mais en entraînant le fou en B2, eh ben, on va donner le contre-jeu à base de cavalier H5, cavalier F4. Et le cavalier F4, il va être très très chiant. Il va soutenir des fous prend H3. Enfin. Donc voilà, et en fait il l'isole de l'autre côté et il revient de l'autre côté en H5 F4. Donc un petit coup de tour D8 peut-être, ou de cavalier H5 trop tôt, plutôt. C5, tour D8 et cavalier F4. Et là, malgré le pion de moins, il va lui faire dame E7, il va commencer à lui envoyer les pièces. On ne peut pas déloger ce cavalier F4 par G3, il y a cavalier prend H3. Ça, je pense que cette position en pratique elle est très dure pour les blancs. Et. Carsen, il était programmé, je pense, pour lui donner un pion. Ce pion C5, il voulait lui donner à toutes les sauces. Donc je pense qu'après ça, il voulait vraiment lui jouer un truc comme ça. Et je pense que peut-être même H3 transposé dans ses analyses, sauf que bah, tour 1, je suis sûr qu'il l'a jamais vu. Mais bon. Bref, donc après, donc on remonte. Hein. Donc dame C7, tour 1, E5, finassage, A3. Cavalier F6, B4. Donc comme je vous dis, hein, maintenant que le pion il est en E5 et que la diagonale est fermée, on n'a plus besoin de jouer ce cavalier C3. Hein. Donc évidemment, cavalier il va sûrement venir en D2, C4, accompagner B4 quelque part, quoi. Donc il fait B4 et là il fait petit roque. Carsen, il a dû jouer assez vite avec 2-3 petits pièges. Et là, Caruana lui a joué un super coup. Il lui a joué cavalier BD2. Ah bon, Caruana, il a compris que dans la première partie qu'il avait perdue il y a 3 ans, il avait le fou en E3, ça s'était pas bien passé. Déjà, première règle, il le remet pas là-bas. Deuxième règle, il a compris que l'autre, il attendait du C4 à toutes les sauces. Donc deuxième règle, on lui donne pas C4. Et là, on lui demande qu'est-ce qu'il fait. Parce que cette structure-là, où on se retrouve avec un seul îlot de pion contre deux, elle est très difficile, et la colonna, elle est très difficile à jouer pour les noirs. Faut pas la jouer si on n'a pas quelque chose de concret. Donc, Caruana, il veut provoquer Carlsen à faire ça. Et je pense qu'après cavalier BD2, ben, les noirs, ils ont pas de coup super utile. Alors, si on joue cavalier D7, une des idées de cavalier D2, c'est peut-être de jouer cavalier B3 et le forcer à prendre, vous voyez. Il y a aussi cavalier C4, hein, sans doute, mais je sais pas lequel des deux. Bon. Prise, on est content, donc ici on commence à manquer un petit peu de coups avec les noirs. Et un jour le pion il va commencer à être comestible, hein. B prend C5, cavalier B5, cavalier B3.
Donc ici, Carlsen, je pense qu'il a dû devenir un peu nerveux. Il a joué fou G4. Il s'est dit, bon, allez, je vais me mettre en mode j'échange une ou deux pièces, je vais faire nul. Bon. Il sait qu'il est un peu moins bien ici. Je pense qu'après KB D2, pour moi, les blancs, ils ont un petit avantage. Il a un peu raté son truc, Carlsen. Mais ça m'étonne pas, moi, du Dame C7, du on finasse pour faire des pièges. Ben, à un moment, non, si l'autre, il les voit, les pièges, la position, elle est pas top. Donc fou G4. Qu'est-ce qu'il nous fait? Voilà, il fait H3, c'est un bon coup. Hein. Bon, l'idée c'est comme d'habitude, hein. B prend, cavalier D7, cavalier B3, et là F5. Et sur H3, pion prend 4, et là les noirs gagnent. Mais bon, il n'est pas complètement naïf. Autre ami Caruana, il joue H3 ici, évidemment. Prise, prise. Et maintenant, alors peut-être qu'il fallait toujours jouer du cavalier D7 ici. Hein. C'est peut-être pas si mal, mais il peut encore améliorer. Hein. Il peut jouer fou D2 ou fou E3. Bon. Mais c'est probablement qu'il y a D7 qu'il fallait jouer. Il a joué C prend B4, Magnus. Quand il joue un coup comme ça, je vous ai dit qu'à long terme, elle n'est pas bonne cette structure. Quand il joue un coup comme ça, c'est qu'il a quelque chose de concret en tête. Donc il va suivre par un jeu forcé. Et comme vous voyez, après A prend B4, il joue A5. Son idée, c'est pas de jouer cette position pendant des heures avec des coups, comme il va dire, l'ordi, cavalier D7, machin. Ça ne l'intéresse pas. C'est pas bon. L'ordi va dire peut-être petit avantage blanc ou égal, non, non, il va souffrir pendant des heures, non. Il joue A5, il a cette idée d'échanger un petit peu les pions de l'aile dame. Il a pris, tour prend, et là il a fait une grosse erreur, Caruana, il a joué hyper petit bras. D'ailleurs, ils l'ont reconnu à la conférence de presse, là il a raté un très gros avantage, Caruana. Il a raté tour prend A5, dame prend A5, fou D2. L'autre va s'en aller, il doit défendre le pion E5 quand même. Donc l'autre il va s'en aller en C7. Hein. Je pense que sur ça, il va lui faire dame B1, menace B7 et fou B4. Donc non. Il faut aller en C7. Et là, dame 1, menace dame prend E5. On va protéger. Et là, un coup comme dame A2 probablement pour empêcher la tour de bouger. Parce qu'il peut y avoir des cavaliers G5. On va ramener celle-ci aussi. Par exemple, tour B8, je recycle un peu les pièces, fou E3. Sur un coup comme H6 pour empêcher cavalier G5, je vais commencer à ramener la tour de l'autre côté. Alors, je sais pas dans quel ordre, tour 1. Bon, faut encore trouver un plan, mais bon, je pense que ça, c'est un net avantage blanc. Caruana, il a qualifié cette position de Black is nowhere near the equality. Ça veut dire qu'il aime pas du tout la position de Carlsen. Mais bon, pour être nowhere near the equality, eh ben, il faut jouer tour prend A5, il faut pas jouer fou D2, quoi. Après fou D2, Carlsen il est revenu en A8, et oui, donc maintenant la différence c'est que si on prend A8, ben, c'est lui qui a la colonne. Et oui, ça change pas mal de trucs. Donc là, il est pas super content, il commence à envoyer du dame B1. Alors je pense qu'il veut jouer du dame B2, et puis je sais pas ce qu'il veut faire. L'autre il joue cavalier D7, il consolide. Dame B4, voilà, ça devait être ça l'idée. Et là, tour F8, menace fou F8. Donc, je vous ai déjà préparé les flèches en avance. En fait, la dame elle va se faire attaquer avec tempo. On va prendre du B5. L'autre il fait fou C3. Ok. B5, très bon coup. On prend de l'espace, on va faire fou F8. Si c'est possible, on va remettre le fou en D6. On va jouer cavalier C5. Caruana, il commence à en avoir un peu marre. En plus, il peut y avoir des tours à 4 à un moment donné. Par exemple, si on commence à jouer ça, on peut se prendre tour à 4, qui prend un peu d'espace, on menace tour à 8, prise, prise. Ça, c'est tranquille. Le pion passé en plus. Donc, sur du dame B3, bah, on est sous le joug de cavalier C5. Donc, on va se prendre fou F8, machin, cavalier C5, on protège. Non, déjà, ça va. C'est un bon choix pratique. Après, B5, pour moi, c'est terminé. Plus de problème pour Carlsen. Donc voilà, il commence à lui prendre vraiment l'espace à l'aile dame. L'autre il se dit, allez, j'enclenche le mode je fais nul et puis on verra demain. Mais le mode je fais nul et on verra demain, ouais, c'est pas mal, mais contre Carlsen c'est compliqué parce que Carlsen, je crois que son équipe lui a imposé de jouer toutes les finales qui arrivent, toutes, jusqu'au bout. C'est-à-dire il n'y a pas une nulle de grand maître. Et ça, je crois que Caruana il va vite commencer à le comprendre. Parce que ça fait déjà la première, là, de. Aujourd'hui, vous allez voir, prise tour 1,
prise. Donc là, il est tout content. Il se dit, bon, allez, moi j'ai 2008, lui aussi, je vais jamais perdre ça. Mais attention, parce que y a pas mal de positions où ces deux pions-là, ils peuvent créer un pion passé. Bon, d'accord, le pion, il est sur case noire, le fou aussi, donc bon, c'est pas top, mais je pense que les noirs, ils ont plus d'espace, ils ont ce potentiel de pion passé. Je pense que les noirs sont un peu mieux ici. Donc, dame A7, fou C3, dame A2. Donc déjà en plus il a manque de bol, il active la dame. Ouais, en plus il active la dame, je vous ai pas dit. C'est-à-dire qu'en plus il y a la dame qui est active. Donc dame A2 qui commence à faire des dégâts. Dame B2, il est vraiment en mode je vais faire nul, là, tranquille, prise, donc il est content. Bon, et Carlsen, il s'en fout, lui, il veut continuer un petit peu. Donc je vous ai dit que ce fou, le problème c'est qu'il était arrivé à la défense de 5, ben, finalement il l'est plus, donc il va se recycler. Roi F1. F7, on active les rois, en finale les rois c'est très important. Et là, cavalier C5, ok, on arrive, cavalier E6, on fait du redéploiement pour l'instant. G3, fou F8, cavalier D2, et là il fait un coup qui a eu pas mal de succès auprès des commentateurs pendant le. Et puis c'est vrai que c'est pas mal en fait. Après cavalier G5, c'est juste un coup pour provoquer H4. Et H4, on se dit, bah finalement on est content avec les blancs, on va jouer H4, mais en fait non, on n'est pas content, parce qu'on va se faire fixer le pion sur case noire. Et après, justement, regardez, quand on va faire ça, cavalier E6, cavalier B3, il fixe ce pion H4 sur case noire, qu'il a forcé à avancer. Ce qui fait que quand il va jouer G5 plus tard, bah les blancs, ils auront un choix pas top. Ça veut dire que soit ils vont prendre, et ça pourra faire un pion passé extérieur. Soit ils prennent pas, et là ce sera les noirs qui prendront là, et ce sera une faiblesse attaquable par fou E7, cavalier F8, cavalier G6, etc. Donc vous voyez, c'est très malin ce qu'il a fait positionnellement. Il va chercher ce petit pion, voilà, il le force à avancer, et ensuite il le fixe, et ensuite il va aller taper dessus avec G5. Et c'est ce genre de petit coup là qui fait qu'une position, eh ben, elle peut être améliorée, et puis on peut trouver des mini-chances par-ci, par-là, et puis il suffit encore d'un ou deux thèmes comme ça, et Caruana, il peut vraiment commencer à avoir des problèmes. Donc, bon. Mais cela dit, la position, elle est vraiment simple, et pour des 2008, même avec des petites nuances comme ça, il devrait pas perdre. Hein. Donc, voilà. Je pense que là, même si c'est des petites imprécisions qu'il vient de faire Caruana, il va tenir. D'ailleurs, Carlsen, il a dit, hein, il a dit qu'il a jamais été vraiment gagnant. Donc même, bon, il l'a embêté, il a trouvé des trucs, mais c'est pas assez, quoi. C'est comme ce qu'il a eu Caruana hier, enfin avant-hier, dans la deuxième. Bon. Alors il joue fou D2, l'autre il remet les pièces, fou D6, C3, C5. Bon, peut-être qu'il fallait jouer G5 ici. Avec ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. C'est-à-dire, soit on va prendre là et ensuite on ira taper le pion, soit l'autre y prend et on peut avoir un pion passé là et puis je vais en faire un autre de l'autre côté. Bon, on sait jamais quoi, vous voyez. Bon, lui il a joué un autre plan, il a joué C5, bon, il ramène le roi et il joue F5. Bon, il est mieux hein, aussi, mais bon, probablement pas assez. L'autre il fait ça, bon, ça c'est une bêtise. S'il fallait jouer ça, l'ordi dit de jouer ça et G5. Avec probablement un avantage noir. Alors, je sais pas si ça aurait été suffisant, probablement pas. Mais bon, il fallait jouer comme ça. Après ça, c'est facile. Prise, C4. Prise. Alors, faut faire attention, normalement. Il y a le fou contre le cavalier, un pion passé éventuellement de l'autre côté, mais il va simplifier tous les pions. En fait, il va simplifier la position, il va tout échanger. Donc, bah, c'est pas techniquement réalisable. Vous voyez, si le pion était si dangereux que ça, déjà, il n'y serait pas allé. Hein. Bon, après, il y avait des petites magouilles, des F3, où il faut pas se faire planter fou E7, des trucs comme ça, avec G5 derrière, machin. Caruana, il voit tout ça. Roi E2, Roi C6, cavalier F1. Il se prise, cavalier E3. Il sait que de toute façon, le pion, il sera bloqué par le cavalier C2, il s'en fiche du coup. Et il envoie F4. Le plus important, c'est d'échanger tous les autres pions. Vous voyez, c'est ce qu'il est en train de faire. Et même, il donne la pièce, et il lui explique que cette finale, elle est nulle parce que vous avez le mauvais fou. Alors pour ceux d'entre vous qui ne savent pas, je vous montre en 2-2. Et après je vais me coucher parce qu'il est 3h10 et là c'est pas possible. Donc l'idée c'est quoi? L'idée c'est que forcément les noirs ils vont gagner les deux pions. Alors je vous la fais courte. Vous allez me prendre. D'ailleurs pas comme ça. Comme ça. Allez, je vous les défends même pas. Cette position,
comme on a le mauvais fou, c'est-à-dire qu'on n'a pas le fou de la couleur de la case de promotion, et ben elle est nulle, cette position. Par contre, vous auriez le fou de case blanche à la place, ce serait gagné. C'est une des forteresses, voilà. C'est une des caractéristiques en finale, c'est qu'il y a certaines positions qui vont être des forteresses, ça c'en est une. Donc du coup, les blancs vont tenir malgré l'énorme avantage matériel des noirs. Alors je vous montre, le truc c'est qu'un coup comme ça. Ok, ça. Et là quoi? On fait roi G3, c'est pat. Donc on peut rien faire, on bouge le fou, et ben, je viens là, et le problème c'est quoi? Comment on passe? Ok, je veux bien. Échec, ben, je viens là, je menace pat. C'est-à-dire on bouge le fou, voilà. Donc il n'y a aucun moyen de passer. Vous pouvez essayer ça pendant des heures et des heures et des heures, ça passera pas. Donc effectivement, quand il fait qu'elle prend C4, prise. Ils font nul ici, ils jouent même pas cette position. Voilà. Donc parce que je vous dis, il va gagner les deux pions, et en plus, et après ils vont se serrer la main, ils vont faire nul. Mais c'est juste uniquement parce que c'est ce fou là. Hein. Ça aurait été le fou de case blanche, qui est de la même case que la case de promotion, ça aurait été gagné de manière triviale pour les noirs. Bon, allez ouf, le marathon est fini. Je vous dis à demain, et puis bon, j'espère que ça vous a plu. Et puis voilà, j'ai fait de mon mieux, mais bon, j'ai pas dû. Elle est tellement compliquée cette ouverture et il y a tellement de subtilités que je pense pas avoir compris un dixième du millième du truc, mais eux non plus, je pense. Donc, mais bon, ils s'en approcheront plus que moi, mais voilà, mais c'est très compliqué. Il y a vraiment des petits détails, des tours, un DH3, DA3, est-ce que je mets le cavalier en D2, est-ce que je le mets en C3, est-ce que je joue quoi avant l'autre? Des fois c'est A4 même. Bon, allez, c'est. Bonne nuit, moi j'ai mal à la tête. À demain.